Bonjour, nous sommes le même jour, la suite du jour où je vous ai laissé, puisqu'Eric, je vous avais dit que je vous montrerai, a rendez-vous à 16h et 16h10. Chez le coiffeur, il avait envie de raser sa tête, il ne l'a jamais fait, et je pense très honnêtement que son crâne n'est pas du tout adapté, ça ne va pas à tout le monde. Au pire, ça repousse, dans 2 mois, on ne verra plus rien. Mais quand même, j'ai de gros doutes. J'attends. Oui, tu t'es coupé. Oh, et alors ? Bah, tu vois. Et ça n'a jamais été aussi court ? Ah non, jamais, non. Oh là là, il l'a fait, il l'a fait. Tu peux venir te planter ? Ah mais je peux, le montage est fait, tout est terminé, j'attendais juste ta tête, donc je me prépare et ok. À tout de suite. J'ai toujours pas vu, hein. Je suis passée comme ça, je n'ai pas vu. Je voulais avoir la réaction avec vous, je regarde. Oh, tu l'as fait ? Ah ouais, je vois, sans aucun problème. Dire un mec de l'armée ? Ah, exactement, alors d'après mon coiffeur, ouais. Il m'a dit, ça vous rajeunit. On est rentré de notre balade. Je vous montre dans 2 secondes, Eric. T'es pas prêt ? De quoi ? Jack, il est pas prêt à te voir. Eh bah, c'est pas choquant, hein. Tourne-toi. T'aimes bien ou pas ? Oui. Je dois avouer que j'aime beaucoup ta coupe, en fait. Bon, ça a arrêté pour la petite baguette, la tradite de demain matin. Moi, je me suis pris un petit financier chocolat. Oh, il a l'air sympatoche, hein. Et Eric, un croissant aux amandes. C'est pas pour toi. Je suis pas sûre que vous me voyez bien. Je suis sur la toute nouvelle saison. Non. Si. De New Amsterdam, saison 4. En fait, on a mangé les patates. J'ai fait les fameuses patates que j'ai écrasées, donc sans la peau. J'ai lu vos commentaires. Il y en a plein qui m'ont dit non, on n'épluche pas les pommes de terre grenaille. Juste que j'ai fait une boulette. J'étais dans le rush. J'ai pas pensé. Mais je compte bien vous faire la vraie recette avec tous les petits condiments. Parce que rien que là. Même Eric, il s'est régalé. Je les ai écrasés comme prévu, avec un petit filet d'huile d'olive. J'ai mis un peu de chavroux, un œuf que j'ai cassé. Mais alors, on s'est régalé. Si jamais vous savez pas, donc c'est celle-là. Et j'ai mon Jackie qui est avec moi. Mais oui. Nous sommes le lendemain matin, au moment de prendre le petit-déj. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de beurre, et ça, c'est pas possible. Du pain sans beurre. Juste la confiture, non, et prendre la margarine, vous avez déjà testé ? Margarine mélangée à la confiture, c'est immonde. Oh bon, bref, j'ai mon beurre. Tant qu'à être là, je vais me prendre une baguette toute fraîche. Celle d'hier que j'ai pas mangée, je la prendrai demain. C'est quand même mieux au petit-déj, quand ça croustille. De retour, on va faire le test. Ça, c'est la baguette que je viens d'acheter. Le croustillant est là. Et ça, c'est le bout de baguette d'hier soir. Est-ce que j'ai bien fait ? J'ai très bien fait. Il est 13h, j'étais en train d'imprimer un document. Mon imprimante a fait un bourrage papier, j'ai tiré. Résultat, mon étagère est tombée. Je crois pas qu'il y ait de la casse, par contre ça m'a donné une idée. Vu que je l'aime beaucoup cette étagère avec la déco et qu'on la voit pas bien, je vais switcher. C'est-à-dire que le cadre qui est là, il va venir là. Je pense que ça sera beaucoup plus harmonieux et bah, vous l'aurez compris, l'étagère ici. Vous voyez, c'est cette étagère. Mon tableau qui était là, et bah, je vais le mettre là, hein. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais remettre exactement les éléments. Je trouvais que c'était joli. Ouais, c'est pas mal. Hein. Vu d'ici, on a l'impression que le cadre n'est pas droit. Mais si, c'est juste la caméra qui est posée, qui, elle, n'est pas droite. Ouais, c'est pas mal du tout. Par contre, il me manque quelque chose ici. Je l'ai, en fait. C'est trop beau. J'adore. C'est super joli, non ? Petite fougère comme ça qui retombe. Et bah là, pour le coup, on ne touche plus. En espérant qu'elle tienne le coup. Sinon, bah là, Eric, il est au lycée. Il fait passer des oraux. Donc, il m'a dit qu'il savait pas trop s'il rentrait vers 16h, 16h30. Mais il m'a demandé si je pouvais aller avec lui. Parce que vous savez, il a fait son petit test visuel hier. Sa vue a baissé. Donc, il va pouvoir changer de lunettes. Donc, solaire. Et lunettes de vue, donc il veut que je choisisse avec lui. Et moi, je vais en profiter pour également voir si je peux pas changer de monture. Parce que j'avais vraiment une idée précise de monture de lunettes. Je sais que celles-ci, elles me vont plutôt pas mal, mais elles restent encore très voyantes. Idéalement, j'aimerais porter des lentilles, mais pas évident, parce qu'en fait, je suis myope, astigmate et presbyte. Donc, tu peux pas. Enfin, c'est compliqué. Et pareil pour les montures, t'es très limité. Quand t'es que myope, tu peux t'éclater, tu peux prendre ce que tu veux. Donc voilà, je vais quand même regarder ça. Et je vous emmènerai, évidemment, avec moi. J'aime bien. Je parle de ça et ça, hein, évidemment. C'est pas mal, mais un peu... Un peu années 80, faut le dire. Non, 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 ça me gêne pas, je les ai. Ça, c'est... Ouais. Elles sont connectées ? Allez. Moi, j'aime bien. Je pense qu'elles te vont bien, celles-là. Bon, on va rester sur celles-là. Non, pas du tout.
Pas du tout, pas du tout. Il faut que je trouve des montures sympatoches, tu vois. Bon, trop marqué. Ben non. Pourquoi tu dis ça? Ah, si. Là, tu vois, là on voit moins. Ah bah là c'est plus discret parce qu'on est couleur un peu nude. Vous avez une monture qui est un tout petit peu plus haute en termes de forme, mais c'est pas choquant parce que ça touche pas la pommette et ça remonte pas au-dessus des sourcils comme on le disait. Ah, c'est mon poussin aussi. Okay. Bah, bah oui, c'est quand même. Mais oh, oh. Vous n'êtes même pas vraiment sur du rond, on est sur une mais forme je sais, ça carré va pas, avec. Bien sûr, moi je trouve, que c'est. Moi, c'est. À chaque fois, il y a une valeur ajoutée. Il y a une valeur ajoutée. C'est bon, il a trouvé ses deux montures. Je pense que d'ici 10 jours, elles arriveront. Et là, on part 10 bornes à peu près. Ça nous a pris comme ça. J'avais envie d'aller manger soit une glace, soit une crêpe, soit une gaufre. En plus, il fait beau. Comme ça, en extérieur, ça va faire vraiment du bien, je pense. Ça n'a pas l'air ouvert. Hein. On aime bien venir là. La tristesse du truc, c'était fermé pour cause d'inondation. Premier endroit où on est allé, ça réouvre que dans 15 jours. Et le deuxième endroit où on est allé, parce qu'on c'est sympa, alors lui, il est fermé définitivement. Donc, on n'a pas eu notre petit goûter. Par contre, je me suis arrêtée dans un chemin, un inter par là-bas. Je me suis pris des skirs, je n'en avais plus. Des bananes. Donc là, je vais me faire, il est encore temps, skirs, bananes, amandes. Voilà. Allez. Mettre un peu de multivitaminé. C'est pas mal dedans, il y a du chocolat noir, des dés de poire, du pécan, baies de goji et amandes grillées. C'est plutôt bien réussi, je trouve, comme mélange. Alors là, je suis trop contente. Je viens de nous commander deux pizzas. Mais attention, des vraies, de pizzeria, tout ça, avec la pâte croustillante, la pâte fine. C'est un petit peu pour par rapport à l'échec de tout à l'heure, vous voyez. Alors, oh, la hawaïenne. Toi, t'as pris. C'est toi qui me l'as prise. Oui, c'est vrai. Non, américaine. Vendredi, j'attends Eric. Il est midi, il a plus cours cet après-midi. Et on va en profiter pour faire les courses. On n'a plus d'eau, enfin, il n'y a plus rien. À part des skirs et des bananes. Où sont mes petits déj? Ouais, mais je pense que là, c'est incomplet. Faut que je m'occupe des glaces, là. Je crois qu'elles vont souffrir. Et je vais tout mettre sur la table. Et on s'est pris des petites choses. Ça a l'air bon, ton bagel, là, pour ce midi. Putain, je vois rien avec mes lunettes de soleil. Il est con. Ouais, il s'est pris un super bagel. Un beau bagel comme ça, au saumon. Quant à moi, je me suis pris un petit crudité. Attends, j'avais dit que je mettais tes glaces au congèle, je suis en train de parler. Il faut que je mette mes lunettes, je cadre, je ne vois rien. Il s'est pris son ravitaillement de sorbet. En même temps, c'est des A. Hein. C'est toujours mieux que la crème glacée. C'est quand vous voyez ça vide que vous pouvez vous dire que c'est la dèche. Ah, j'ai fait le plein. Parce que ça va super vite. Hein. Déjà, je bois 1,5 litre par jour. Je vous montre quelque chose. J'en trouvais plus depuis une éternité et j'adore ça. C'est un sablé triangle framboise. Dingue. Dingue, bébé. Non. Quoi? C'est dingue, c'est ce que je vais faire tout de suite. C'est quoi? Je vais boire du Perrier dans un verre coca. Ok. Regardez cette petite mignonnerie. Les quatre œufs dans leur petite boîte. J'ai trouvé ces gâteaux, donc ils sont plutôt... Ça va, hein, B, et ça reste gourmand en plus. Noisettes grillées. Le retour de la merveille. Vous avez été beaucoup, beaucoup à la tester suite à mes recommandations et vous l'adorez. Hein. En même temps, qui peut ne pas l'aimer. Alors, bon, ça c'est pour recharger, pour laver les mains. J'ai pris quoi? Des petites éponges. C'est One Blade, ça coûte un bras. Le chocolat pour le café. Patate noire moutier pour faire ma recette. Cette fois-ci, je garde la peau. J'avais pas vu. Ça va? Tu kiffes? Ouais. La petite burrata. Je vais peut-être la faire avec des pâtes. D'un moment. Mais j'ai voulu retester. Alors, le seul problème, bon, il n'y en a pas beaucoup, j'ai pris tout petit parce que ça ne se conserve pas. Une fois que tu l'ouvres, il faut vite manger. Mais j'avoue que griller, c'est pas mauvais. Hein. Ça, Eric s'est pris ses yaourts. Je ne connais absolument pas, mais ça n'a pas l'air mauvais. Hein. Fraise framboise, mangue passion, des petites sucrines. J'adore ça. Du liquide vaisselle indispensable. Et là, je me dépêche de tout ranger parce qu'on va peut-être manger. Je ne sais pas quelle idée. Ah oui, il est 13h23. Tu veux m'aider? Tu veux aider ta maman? Est-ce que t'es un aideur? Pas trop. On me voit, on me voit plus? On me voit. 16h15, on a mangé, évidemment. Par contre, j'ai mangé là le fameux triangle. Un peu déçu quand même. Hyper sucré. Pourquoi en 2024, on fait encore des gâteaux si sucrés? Enfin, il y a moyen de faire quand même moins sucré en mettant juste un peu moins de sucre, sans mettre d'aspartame, de trucs comme ça. Et je trouve que ça gâche. Je trouve que ça gâche. Après, Eric, je lui fais goûter. Lui, il me dit non. Mais lui, c'est une bouche vraiment sucrée. Et ouais. Donc, un peu déçu quand même. Et pareil, avant que je n'oublie, merci, ça y est. 18 000 sur YouTube. 18 000 abonnés. C'est cool.
Objectif 20 000 maintenant. J'allais dire 20 000 pour mon anniv. C'est le mois d'août. 17 août. Non, ça risque d'être chaud. Mais bon, objectif 20 000 quand même. Ah, il n'y a plus de batterie. C'est fou, c'est... Quoi, qu'est-ce que c'est ? Qui m'appelle ? Donc, c'est le week-end. J'étais censée sortir ce soir avec une amie, donc ça a été annulé au dernier moment. C'est dommage, bon, on va refaire ça. Mais en tout cas, ce week-end, j'ai bien envie de rien prévoir. Ouais, vous attendiez pas ça, hein. Eh ben si, j'ai bien envie de me laisser comme ça. J'ai pris une nouvelle philosophie depuis 3 semaines. J'ai l'impression que ça paye un peu. J'essaie de moins me prendre la tête sur tout. Que ce soit le boulot, que ce soit bien sûr dans la sphère privée, tout, il faut que ça glisse. Et je suis contente parce que je me débrouille toute seule, j'ai pas de thérapeute, j'ai pas de tout ça. Et j'arrive un peu à relativiser. Et quand vraiment je suis trop stressée, je fais ma cohérence cardiaque, franchement ça marche bien. C'est la fameuse respiration, là. Tu bloques, tu respires. Moi ça me calme parce que tout est lié au rythme cardiaque, en tout cas chez moi. Ce qui peut provoquer après les migraines. Donc là je suis pas trop mécontente. Voilà, ça roule. Par contre, je suis désolée, hein, mais je vais être obligée vraiment d'arrêter maintenant ce vlog. Je n'ai plus de batterie et l'autre batterie est vide. Donc le temps de la recharger à bloc, ça va faire du 1h, 2h. Il est 16h, la vidéo doit sortir à 18h, vous l'aurez compris. J'arrête maintenant. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve lundi pour la suite des aventures, évidemment. Bisous, ciao, salut.